Cette situation n'est pas du tout pour plaire à Madonna. En effet, la reine de la pop avait organisé un live sur Instagram avec ses fans le jeudi 19 mai dernier. Seulement, pendant son direct, le réseau social l'a tout simplement bloqué. Ce qui a empêché ses fans de profiter de la chanteuse jusqu'à la fin du live. Bien entendu, Madonna, 63 ans, a été agacée par cette censure de la part de la plateforme appartenant à Facebook. Sans surprise, la maman de Lourdes, Rocco, David, Mercy, Esther et Stella a poussé un gros de gueule le vendredi 20 mai dernier. Qu'est-ce ce que si esti que ça? On est bloqué et privé de live, qu'est-ce ce qui se passe? Je n'ai jamais porté autant de vêtements de ma vie, je suis sans voix, a-t-elle lancé par le biais d'une vidéo. Instagram a sanctionné Madonna à cause d'une violation de ses conditions d'usage. Notons que l'application est particulièrement stricte sur le sujet et de nombreuses stars en ont déjà fait les frais. D'ailleurs, les commentaires sous le post de la star le prouvent. Bienvenue dans le club des bannis. Nous sommes les sorcières des temps modernes, a notamment écrit une artiste. Madonna ne fait pas l'unanimité sur Instagram. Les fans de la star ne sont pas forcément tous d'accord avec son comportement sur Instagram. Notons que Madonna est friande de l'usage des filtres. Ce qui ne plaît pas toujours à sa communauté. Outre son apparence, la maman de Lourdes Léon partage également des photos étranges depuis plusieurs mois. Des photos où on la voit agitant un couteau ou montrant ses tétons. D'ailleurs, le 3 avril dernier, elle avait publié une vidéo plus que étrange. Cette vidéo de Madonna en gros plan la montrait avec un haut transparent. Après avoir simulé un baiser, les internautes avaient qualifié cette vidéo de troublante. L'ensemble de tous ces faits ont sûrement contribué à son bannissement d'Instagram. Loading widget.